Chicoma qui voit se présenter à l'une des grandes dames. L'une des grandes dames, et c'est l'un des retours, Diane Dos Santos. Elle match. Alors c'est la vétéran présent sur le circuit aujourd'hui à Gand. 28 ans, Diane Dos Santos, mais quel peps. Allez, le ressort brésilien avec d'entrée de jeu. La musique explosive pour un twist double arrière carpé. Elle rebondit en sortant du praticable, le drapeau s'est levé. Ouais, Diane Dos Santos, elle s'était révélée en 2003, championne du monde à Anaheim. Et le double salto arrière corps tendu. Absolument. Et puis c'est pas à moitié, hein. Ça s'envole, hein. D'élan, salto avant carpé, et plaque, double vrille. Derrière Carpé. Voilà la forme. C'est son grand retour sur le plan international, Diane Dos Santos. Dans cette finale au sol féminin, championne du monde en 2003, nous fait encore une fois un retour parce que vous avez déjà fait le coup juste avant les JO de Pékin. On va la voir à Tokyo, c'est une certitude quasiment, Laurent, non ? Et puis elle a rien perdu de son explosivité, son acrobatie. Elle s'envole littéralement. Regardez ici. Double arrière tendu en deuxième diagonale. Voilà, avec une belle réception. Elle amène du peps, hein, y a pas à dire. Niveau travail au sol, double arrière carpé, vitesse d'exécution. En tout cas, c'est une très très belle surprise réservée là par l'équipe brésilienne. Et il y a de la joie, forcément, parce que là, il y avait de la pression sur les épaules de Diane Dos Santos. Ouais, bien sûr. Lorsqu'elle se présente au sol, mais aussi au saut de cheval, où elle est particulièrement performante, eh bien, elle a de la pression supplémentaire, même si la note est quand même en dessous de ce qu'elle pouvait attendre.